Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'en ai parti pour la découverte de Arcade Paradise qui est actuellement gratuit. Tu as remarqué qu'au niveau des découvertes, j'en fais beaucoup moins. Je ne fais quasiment que des démos, c'est simplement parce que je suis un peu plus heureux avec ce genre de choses. J'avoue que les découvertes, ce sont beaucoup des jeux un peu au pif, j'ai envie de dire, malheureusement. Ok. Moi, je vais juste mettre le son du jeu. Quelle est la pire combinaison de maladies? La mort et le cancer. Ça doit être un truc comme ça. Par contre, ça a été que je monte mon. Putain, mais j'ai mes deux écrans qui se mettent en noir à chaque fois que j'appuie sur Windows. J'irais gripper MST. Bon, ouais, MST, je vois. Je pense que ça doit être hardcore, mais peut-être pas au point. Je sais pas. On va demander à quelqu'un qui a une MST en fait. Mais bon, c'est bien le son, je baisse encore un peu. Je profite d'avoir du monde dans le stream, dites-moi. Arcade Paradise. Au lieu de me faire des blagues sur les MST. Bon, vous me direz dans le chat, hein. Allô le monde? Non, c'est bon. Ah putain, je. Non, 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 le jeu est raciste. Ça va, ok. Ou grippe plus Covid plus kyste. Celui qui creuse. Ah! Moi j'ai eu une gastrite il n'y a pas longtemps. Franchement, ça me donne pas envie. L'Alzheimer, la diarrhée, tu cours, mais tu sais plus. Ça doit être ça, ouais. Allez, on est parti. T'as la diarrhée, tu cours, mais tu sais plus où. Oh, je trouve ça marrant. Waouh, So Jones. Waouh, le manager de 50 ans. Tu es le roi. Ouais, un merveille. Meilleure production. Le Walkman. Presents. Un an, deux opérations. C'est un kyste qui creuse, c'est quoi un kyste qui creuse exactement? Oui, c'est NTV. Alors vous voyez pas parce que c'est derrière ma caméra, mais c'est NTV quoi. Pizza King. Ouais, je trouve ça marrant. Ah, elle mange des céréales. Dans du. Avec du café. We need you, we need you, we need you. Je me suis jamais fait opérer quoi. Ça doit être tellement un délire. Ça doit tellement être un délire de se faire opérer. Genre vraiment, tu t'endors, tu te réveilles, il te manque une partie de toi. J'ai pas encore eu la panique. Qui s'est enflammé? Ah merde! Ça t'apprendra à être en feu, hein. King Wash. Mais c'était pas Pizza King ou je bossais? M'aurais menti? Alors là. Qu'est-ce que. Les transitions comme ça. J'ai eu le. Qui est enflammé? Pilodina l'intrafessier. C'était horrible. Ah, tu l'avais dans le cul en plus. Pardon. Bienvenue à Arcade. Là pour regarder autour. Pendant tu dis ça pour entrer dans l'abri. Mais par contre, je vais juste prendre une petite photo. Ah, à l'aide! C'est juste pour prendre un screen, quoi. À l'aide. Hein? Attendez, pourquoi mon bouton de screen, il marche plus? Attendez, j'arrive. Faut meubler. Mon casque bug, ça me saoule. Ah merde. Ah mais c'est parce que je suis en QWERTY. Ah. Putain, saloperie de. Où vous me mettez sur là? Non, c'était pas ça. Il est où le bouton bordel?
Ah, c'est bon. Maintenant, il faut que je me remette avec ma caméra. C'est pas du tout compliqué. Hein. T'as le qui s'est enflammé. T'as, par contre, c'est trop bien, quoi. Account. Total income, 3,42. Je gagne... Putain, putain. Bon. Daddy's home. Salut Ashley, c'est ton père qui t'appelle. Bienvenue, enfin, au monde réel. Le roi de la laverie est parmi les premiers investissements de Greenstone. C'est pas un important, honnêtement, mais j'en oublierai à propos des déchets. Mais avec du bon management, peut-être que ça pourrait faire quelque chose et qu'un teenager capricieux comme toi pourrait faire de ça un succès. On va faire les basiques une fois de plus. Fais attention. Raquette de laverie, c'est exactement ça. D'abord, tu prends un panier de linge et tu le mets dans une machine vide. Ok, tu l'as, il vient passer de 720 à 320, je peux pas changer, j'adore. Ah merde, y a pas FR. On l'a pas proposé. Contrôle vidéo. Après, moi, l'anglais me dérange pas. Hein. En vrai, en étant sincère. Donc là, faut que je le grabe. Donc là, je le grabe. Et là, on load le washer. Ouais, et je peux pas juste ouvrir le truc. Puis hop. Ok, du temps non. Ok. Du temps non utilisé, c'est du non. Ok, donc en même temps, je devrais sortir les déchets. Il y a une benne à côté du bâtiment. Spectaculaire. Putain, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête aussi des fois. Ça traîne ça. Ça devrait pas être par terre. C'est moi, pas toi. Non mais c'est moi, c'est pas toi. Tu... Collecte trash. C'est très dur. Faut pas se fier aux apparences, hein, vraiment, c'est vraiment compliqué. Dispose of the trash. Bah ici du coup. Yay! On a gagné 20 dollars. À la fin du cycle de lavage, enlève les vêtements propres. Il faut les mettre dans un sèche-linge. Dans le 1080 qui revient, ça fait du bien à ma vue. Putain, la laverie du pauvre. Ah ouais, mais c'est clairement. C'est la laverie, même le mec qui travaille dedans, il se fait chier, quoi. Sur celui-là. C'est marrant pour le moment. Donc les petits os de boulot, ta réputation est en gagne-pain. Les machines cassées, les déchets par terre ou bloqués. Personne veut venir dans une petite laverie délabrée. Faut réparer les WC. Ah d'accord, les WC sont bouchés. Donc faut les... Bon ok. Enfin, c'est vraiment réparer les machines cassées, collecter les poubelles et déboucher les toilettes. Ça pourrait maintenir la réputation du business. Tu devrais regarder où PDA va t'alerter sur les boulots qui sont en attente. Nettoie les toilettes. Débouche les toilettes. Let's go. Wouh! Il est 30 dollars. Une fois que c'est propre, enfin une fois que c'est sec, tu les sors et tu les mets prêts à... Okay. Ah oui, mais on est plutôt pas mal. Hein. Et donc faut que j'ai drop off. Je les pose. Yeah, il rend S. Et ça fait de l'argent une fois que c'est fini. Tu as trouvé la clé de backroom dans la pile de machin. Les backrooms. Avec des salles d'arcade.
Mais j'écoute là. Voilà, let's go. Bam. Est-ce qu'il va se... Non, il va pas se faire avoir quand même. Moi, je suis streamer, moi. Et merde. Merde. Voilà, bien joué. Vu. On défend. Merde. C'est bon, défense. J'ai rien écouté à ce qu'il m'a dit. J'espère que c'était pas important. J'espère qu'il m'a pas dit en fait tu seras payé en sandwich jambon beurre. Comme une information un peu capitale dans ce genre de boulot. Comme par hasard, oh c'est comme c'est bizarre, what the fuck. Toi t'es en pleine en PLS, c'est quoi le jeu? Pas l'instant, karma toi. Tu seras payé en vêtements sales. C'est un peu ça ouais. Tu seras payé en travaillant. Mais ce jeu doit être exceptionnel à deux. Pourquoi je vais sur la droite là? Je sais pas combien ça s'arrête. Parce que ouais, peut-être que je fasse mon boulot, ça se trouve il y a des clients. Goal compete. C'était quoi? Il fallait que je joue, c'est ça? C'était ça mon but? C'était pour les soirées VIP de mon père. Hein. Ils se font des soirées Pong comme ça, ils se font plaisir. Ah ouais, ah putain. Là ça fait deux, mais ça fait trois fois là que ça doit rentrer. Putain mais... Ça fait six fois que ça doit rentrer. Il faut que je termine. Mais non mais... À l'aide. Mais je sais qu'il va se la rentrer tout seul. Non c'est bon. On a gagné. On a gagné. En lingette vanif Oxyaction carrément. Non, je vais peut-être arrêter de jouer hein. Ok, des fois ta montre va te montrer sur les alertes importantes. Va au bureau et allume le PC. Attends, le vieux bureau, on dirait un bureau de détective privé quoi. En plus, il y a sur Windows 98. Leslie. Salut, Super Nerd. Ton premier jour en tant que manager. Est-ce que tu as eu le speech patronise, enfin, de patron de papa? Ouais, c'est comme s'il me punissait. J'ai 19 ans. Je peux baby, enfin, je peux te babysitter une laverie. Et j'ai la moitié d'un degree en business management. Donc, il est à 2 ans et demi. Je suis au plafond. Ouais, bah, il s'est fait plaisir. Hein. De toute façon, c'est chez lui, maintenant c'est chez moi, c'est la tradition familiale. La moitié d'un degré, ça veut dire no degré, c'est beau. Donc il pense que j'ai aucune ambition. Ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis bloqué ici? Rien. Nettoyer, jouer à des jeux, faire du shopping. Peut-être même... Gasp. Gagner quelques sous. T'as déjà vidé les machines déjà? Les Opals? Ah mais les Opals c'est des... Ouais c'est des trucs qui prennent les pièces, ouais c'est dans la machine. Aussi longtemps que ça reste rouvert, tu vas récupérer de l'argent comme ça. Donc mais tu dois enlever les pièces des machines. Vas-y maintenant, fais le tour. Récupère toutes les pièces et mets-les dans le coffre. Regarde combien tu as. C'est parti. Oh là, wow. Ok, contrôle pour ce crouch. Avec plaisir. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui, voilà, je teabag. Ah oh ouais! Là aussi? Ah, là, par contre, c'est mal fait.
Ça va bien. Les washing machines, ok. Ok, donc en fait, ça pourrait se bloquer. $18. Maintenant, faut tout mettre sur la dans le coffre. En fait, c'est largement plus rentable de devant une salle d'arcade plutôt qu'une laverie, en fait. Hein. En vrai, pour le moment. Désolé, les clés sont partis chercher de la glace et ils sont toujours pas revenus. Je regarde s'il y a des saletés. En tout cas, je vois pas de clients. Donc en vrai, moi je veux bien, hein, mais... Bon, et le coffre, il est là. Là, je dépose tout. Unsafe. Alors, attends. Je rêve ou je suis en train de crocheter mon propre coffre. Tu sais, le mec avec l'oreille sur le... Et t'en vas la... Ah non, faut pas faire joli. Bah, c'est joli, c'est sympa. Uniquement l'argent dans le coffre peut être dépensé, ce qui n'a aucun sens. Du coup, ça devrait être le contraire, mais... Alors, un nouveau chat. Oh, mon dieu. J'ai nettoyé, et puis... Et... Il y avait une fortune dans les machines d'arcade. Ah, ces trucs, je les ai achetés il y a des années pour les clients. Papa avait donné l'idée, mais j'ai cru qu'ils avaient un certain appel. Si, j'en achetais plus. De nouveaux jeux, des meilleures machines. Si les clients venaient ici, avec, enfin, venaient s'amuser pendant que leurs vêtements étaient en train de se... d'être nettoyés, le cabinet ferait encore plus d'argent que la laverie en elle-même. J'en ai acheté ces trois-là dans le monde entier depuis Arcademania. Je te trouverai les détails. Peut-être que si tu approches papa avec quelques figures, peut-être une idée, il te laissera expandre dans une vraie salle d'arcade. Il obtient toujours le business après tout, même si c'est toi qui le tiens. Ne me rappelle pas. Achète quelques machines d'abord. Remplis l'espace disponible et vois comment ça marche. Et rappelle-toi, tu peux uniquement dépenser ce qu'il y ait. Ok, tu peux uniquement dépenser l'argent une fois que c'est transféré depuis des machines et que c'est mis dans le coffre. Voilà le site, donc c'est ici. Ok, du coup je peux en acheter deux. Strike Gold ou Stack Overflow? Pickaxe, mining. Ou Keep the Boss Happy, Disaster. Moi j'étais la première. Hein. Ah attends. Bon tant pis. Hein. Hop, j'achète. Bien joué, ta nouvelle machine sera délivrée demain matin. Le business est ouvert de 8h du matin jusqu'à 11h du soir. Oui. Ça va générer des profits pendant que tu es dans les prémices. Tu peux regarder le temps de ta montre en regardant tab. Tu peux également continuer de travailler, jouer à des jeux, ou terminer la journée en allant à l'arrêt de bus. Ouais, en fait, c'est limite, tu peux te faire chier dans le jeu, quoi. Quelle heure là? Il est 14h. Il y a un client là. Comment ça, MT? Il y avait un fantôme là, c'est pas possible. Ce serait bien un jour où tu peux faire ton entreprise mais avec le thème que tu veux. Oh, ce serait méga compliqué. Hein. Ah, il y a un peu de monde en vrai. En sar. Un petit hopper, mais vous attendez quoi les gars du coup? Ah, c'est à moi de le faire. Putain, c'est même pas à eux de faire leur putain de linge, c'est à moi de le faire quoi. Moi je me suis dit en vrai c'est chill, tranquille, mais non, c'est à moi de faire leur connerie quoi. Putain.
Ça, par contre, c'est de l'autre côté, ça doit être le bureau, faut l'ouvrir. Je suis désolé, mais ça. Y a rien dedans. Tu peux regarder longtemps, mais y a rien. Yay! Ah tiens, c'est un collectible. J'ai trouvé les premiers collectibles du jeu, let's go! Il y a des fantômes dans le jeu, c'est terrifiant. Ça, les toilettes, là, tout va bien. Les toilettes sont propres. Il y a un truc d'écrit. C'est pas très propre, hein, quand même. Hein. Pas dire, hein, mais. Bon, tout va bien. Je pense que c'est le genre de boulot où à la fin en fait tu discutes tellement avec les clients que ça devient un petit truc quoi. $3. Mais c'est tout? Il y a juste $3 qui traînent dans une machine? $7. $2. Vas-y, moi je vais dodo, à demain, bonne nuit. Salut héros, merci infiniment pour tes 3 € tout à l'heure. À demain. Trop stylé ça. Je vais pas me faire chier à chaque fois qu'il faut mettre de l'argent dans le coffre quand même. Okidoki, ouais vraiment faudrait ouvrir ça en fait, tu vois, comme ça toi tu peux avoir une vision réellement sur les clients. On peut récupérer. De rien, bah. Tac. Hop. Il y a des pa... Ah oui. J'ai l'air pourquoi il y a des paniers par terre, bordel. Et bah c'est normal. Bon, ok. Moi, les toilettes, ça me dirait si c'était bouché. Ici, rien à nettoyer. Ça m'en a pas l'air. Putain, mais vraiment, les déchets, ça m'aurait déjà saoulé la présence qui n'est pas présente en moi. Qu'est-ce qui t'aurait pas saoulé? Enfin, qu'est-ce qui t'aurait déjà saoulé? Bon, c'est en vrai, je vais m'arrêter là pour cette découverte. Je suis très fatigué. Et je pense que là, on a quand même vu vraiment l'essence du jeu, l'idée, en tout cas de base, le jeu. Ah, carrément? C'est vrai que c'est pas très passionnant. Je trouve ça un peu sympa. Ça fait un petit peu Supermarket Simulator. Et en vrai, c'est vraiment, je trouve ça agréable. Donc bon. Moi, je vais m'arrêter là pour ce stream. Je suis très fatigué. Je vais me permettre de m'éclipser. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, je vous invite à vous follow. Ça fait toujours plaisir.
Je ne sais pas quand est-ce que la découverte sera sur YouTube. Et puis voilà. Tu vas rejoindre. Rejoindre quoi? Ton lit, exactement. Allez. À demain soir. Gros bisous. Thank you.